Parmi ses rôles les plus connus, on note le rôle du séducteur Jean Dabin dans Violette Nozière de Claude Chabrol, sorti en 1977. En 1982, il apparaît aux côtés d'Alain Delon dans Le Battant. Il travaille à nouveau avec Claude Chabrol en 1992 pour Betty, rôle de Mario, et apparaît dans Le Fusil de Bois, rôle de Morin, avec Samuel Le Bihan. Il est, de 1999 à 2006, le commandant Michel Le Marchand dans la série La Crime, aux côtés de Didier Cauchy. Il a ensuite joué le rôle du diabolique Léonard Vassago dans la série Plus belle la vie durant une bonne partie de l'année 2007, saison 3. Il a également joué dans la série à succès Sous le soleil. Il y jouait le rôle de Claude Lacroix. Il incarne un voyou repenti dans le premier épisode de la saison 1 de Duval et Moretti. Il participe le 17 avril 2010 à l'émission Attention à la marche sur TF1. Il joue au théâtre Le Temple la pièce de Alain Rénaud-Fourton du nom de l'intrus ou l'histoire de deux mecs en compagnie de Franck Leboeuf du 23 mars au 30 avril 2010.